26 janvier. Pour consoler les chrétiens, l'Église leur dit: Vous êtes pauvres, faibles, malades, mais ayez l'espérance et la foi. L'amour du Seigneur est infini. Vous serez un jour à son côté dans le paradis. Donc voilà ce que doit être l'entourage du Seigneur, de pauvres bougres misérables en lambeaux. Malheureusement pour les chrétiens, le Seigneur ne veut être entouré que de splendeurs, des créatures les plus lumineuses, les plus pures, les plus puissantes. Alors, il vaut mieux pour eux ne pas tellement compter qu'ils auront dans le ciel toutes les félicités qu'ils n'auront pas eues sur la terre. Qu'ils s'occupent plutôt de déclencher intérieurement les puissances spirituelles qui leur permettront d'obtenir dès maintenant la lumière, l'amour, la joie. Quand vous semez une graine, toutes les puissances du ciel et de la terre sont là pour soutenir votre travail et vous aurez bientôt des fleurs, des fruits. Mais si vous n'avez rien semé, rien ne poussera, même si vous avez l'espérance et la foi.